Eh bien, salut tout le monde, c'est U75. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour une vidéo achat-revente, tout simplement, je vais vous expliquer une technique que j'ai récemment trouvée. Donc, elle marche plutôt pas mal. Donc, vous pouvez déjà voir que j'ai réussi à revendre 5 joueurs argent rare. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, après, Shifty, j'ai réussi à le vendre 6600 crédits. Et là, le joueur belge, Timanga, que j'ai réussi à revendre aux alentours de 2000 à 2500 crédits. Donc je vais vous montrer sur quel joueur ça marche, en même temps de vous expliquer la technique. Donc vous allez sur le marché des transferts et vous recherchez un joueur argent rare. Vous essayez de l'acheter le moins cher possible aux enchères. D'abord vous regardez le prix le moins cher en achat immédiat et puis vous regardez des cartes intéressantes que vous pouvez acheter aux enchères. Donc voilà, vous avez pu voir El Younoussi qui marche bien, Chimanga qui marche très très bien. Donc les joueurs qui marchent bien, c'est les joueurs qui ont des stats plutôt intéressants par rapport à leur poste. Et puis des joueurs qui ont 5 étoiles de gestes techniques. Donc là vous pouvez voir Aldosari, tout simplement il a 5 étoiles de gestes techniques. En plus il n'y a qu'une seule carte sur le marché, donc je vais essayer de l'obtenir le moins cher possible. Et après je vais rester le plus cher possible, donc 9 910 000, vu que c'est sa fourchette maximum. Et s'il y a beaucoup d'éléments pour un joueur sur le marché, vous regardez la carte la moins chère en immédiat et puis vous allez revendre votre joueur à 200 moins cher pour que ça parte plus rapidement. Donc je vais prendre l'exemple de Botaka. Donc par exemple ici son prix minimum en achat immédiat c'était 5700 crédits. Donc si vous avez un Botaka, vous allez le revendre 5500 crédits. Tout simplement pour savoir son prix d'achat. Donc vous allez faire 5500 x 0,95 pour calculer la taxe. Ça va vous donner 5225. Donc ce nombre, c'est le nombre qui correspond au chiffre que vous ne devez pas dépasser à l'achat. Vous devez préparer une marge de crédit pour faire des bénéfices. Par exemple, vous l'achetez à 4700 crédits, donc vous allez faire 500 crédits de bénéfices sur ce jour-là, donc c'est plutôt pas mal. Après, si vous faites ça sur plusieurs joueurs, vous allez commencer à avoir beaucoup de bénéfices. Et puis des fois, vous pouvez avoir des grosses affaires, par exemple des joueurs argent rare achetés à 500 crédits que vous pouvez relister à 5000. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc là, moi, j'ai déjà mis des joueurs dans mes objectifs de transfert. Donc, vous mettez tous vos joueurs en objectif de transfert. Donc là, ça tombait bien puisque j'ai raté les deux offres. Surtout que Aldosari, il est parti à son prix maximum. Donc, si vous arrivez à le choper aux enchères, vous inquiétez pas. Vous pouvez voir qu'il va partir à 10 000 crédits. Donc, après, Mackay Steven, il est parti à 5200. Donc, il y a des fois où votre prix d'achat, il va être dépassé. Donc, ça sert à rien de l'acheter. Et il y a des fois où c'est des prix plutôt intéressants, comme je vais vous montrer en fin de vidéo. Je vais vous montrer quelques petits exemples, enfin un seul exemple je crois, de gros bénéfices que j'ai fait sur cette technique. Donc après, en moyenne, on peut faire 500 crédits, mais après il y a des grosses offres à se faire, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc Chimanga, je l'ai acheté à 750 crédits, je vais le relister à 2400 crédits. Donc là, un Chimanga que j'ai déjà relisté 2700 crédits, vous inquiétez pas, hein, ils vont partir. Par contre, après, s'ils partent pas au bout de 3 heures, vous pouvez baisser le prix de revente. Moi, c'est ce que j'ai fait. De toute façon, il y avait une grosse marge de crédit, enfin de bénéfices. Donc, c'était plutôt intéressant. En tout cas, mon Shifty, je l'ai réussi à le revendre à 6600 crédits. Donc là, c'était plutôt pas mal puisque je l'ai acheté à 4200 crédits. Donc, j'ai fait environ 2000 crédits de bénéfices en calculant la taxe, bien évidemment. Donc, ce qui est intéressant sur cette technique, c'est que des fois, vous êtes le seul à enchérir sur un joueur. Donc, ça, c'est plutôt intéressant puisque vous pouvez faire des masses de crédits. Donc, voilà, il y a des moyens de se faire des masses de crédits, comme je vous l'ai dit. Donc, je tenais à vous présenter cette technique. Donc, en tout cas, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à partager et à vous abonner. Sinon, moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut !